Oh, j'ai une tape. Oh, mais j'en ai marre, putain. Qu'est-ce qu'il a encore le machin pour pas tourner là? Oh, le brochet métré. Il y a un brochet métré en dessous de moi. Je bouge pas. Oh, il est métré. Oh la vache. Oh, le brochet métré. Je sais pas si vous le voyez. Il est métré, hein. Il est métré. Oh la vache. Oh, le monstre de broc. Oh, le brochet métré. Oh, le brochet métré. Pas de problème. Je l'ai. C'est un petit que j'ai. Oh non, c'est un petit. C'est pas le brochet métré. C'est l'autre. C'est un petit. Oh, c'est un petit. Oh, c'est pas le brochet métré. Oh la vache, ça tient presque rien. Ça tient presque rien. Oh la vache, il y a le métré derrière. Oh, il y avait le métré derrière. Ils étaient deux. Oh la. Ah la vache, je peux pas le mettre dans l'épuisette, il est trop grand. Ah, le brochet métré. Je savais pas que je croyais que j'étais pris dans une herbe. Mon épuisette est trop petite. Mon épuisette est trop petite. Hein, l'épuisette elle est trop petite. Il est trop grand le brochet. Ah si, je l'ai. Oh la vache. Et j'avais un brochet métré en dessous. Ah punaise. Oh yes, le broc. Le truc de dingue. Oh, il est quand même joli. Il fait 67 cm, vous voyez? Voilà les gars, un petit brochet de 67 cm. Mais il y avait un métré devant. Je sais pas si vous allez le voir à la vidéo, mais oh punaise, il y avait le métré. Bon, il est beau, superbe. Allez, on va le remettre à l'eau. Donc, oh, quelle belle bête. Quelle belle bête. Oh, j'ai un poisson. Oh, un poisson. Oh, petit broc. Attention à la coupe. Attention à la coupe. Hop. Oh, bébé brochet. Oh là là, à deux doigts de la coupe. Ouh, aïe aïe, un zizi. Il m'a coffré le... Voilà, nickel. Oh, le zizi Pike. Eh ben, dis donc. Le petit zizi, t'as failli me couper. Doucement. Hop, ok, c'est bon. Nickel. Voilà, le release. Je trouve pas que j'ai un fluoro suffisamment épais. Hein. J'ai vraiment très peur si un broc en gamme tout le montage, ça va couper. Hein. Oh, putain, je crois que c'en était un. Tiens, tiens, poisson direct. Poisson direct, j'en dis. Poisson direct, c'était bien. Oh non, coupé. Non. Oh non, putain. J'en étais sûr, je l'ai dit que j'allais couper avec ce fluoro. Allez, je vais balancer un spinner. Un spinner bait. Alors, c'est plus pour l'été, apparemment, le spinner bait. Alors, je sais pas si ça marchera pour le broc. Mais bon, j'ai que ça pour passer entre les herbiers et pour pas m'accrocher au fond. Donc, bon. Oh, putain, poisson direct. Oh non, je l'ai loupé. Décrocher, voilà, t'as vu, décrocher. Ah, oh, c'est de la merde ces spinners, c'est de la merde, tu vois, je viens juste de faire premier lance au spinner. Regarde, décrocher. J'avais vu, j'avais jeté le leurre derrière, je voyais une onde d'eau, je croyais que c'était mon leurre qui faisait une vague, c'était un poisson qui m'avait suivi. Tu vois, ça s'accroche pas au spinner. Mais quelle daube! Par contre, ça marche, donc ça, je suis content déjà.
Après, les brochets, ça peut en mordre. Pourtant, je l'ai ferré le brochet. Hein. Oh, c'est encore un beau broc. Je suis vraiment une quiche au brochet. Il va falloir vraiment que je travaille le sujet. Hein. Niveau ferrage, niveau approche, ça va. Parce que je les ai localisés avec mes caméras subaquatiques et avec les sessions en journée que je fais. Donc, je sais où trouver les postes à peu près où ils se tiennent. J'ai compris leur système là, à se planquer derrière une cassure avec un herbier derrière. Ils sont très malins. Ah, faut être motivé pour aller à la pêche par ce temps-là. Hein. Mais bon, on est motivé. Il fait frais, pluvieux, nuageux. On est en octobre. Bon, c'est le temps à brocher en ce moment, donc on y va. Bon allez, on va attaquer au spinner. Alors pour vous la faire courte, cette première vidéo c'est tout simplement mes débuts de la pêche au brochet. Alors j'avais fait des brochets en début de saison, des petites 50 jusqu'à 65 que vous aviez vu. Mais là j'essaie vraiment de me mettre au brochet et ce sont des vidéos donc qui datent de septembre, début octobre, où vraiment je débutais comme un bleu. Vous allez voir que je vais revoir toute ma stratégie, c'est-à-dire que je vais passer sur un fluoro de 16 kg et je vais modifier mon spinner avec un petit triple arrière avec une gaine en fluoro renforcée et alignée dans l'axe du spinner. Si jamais vous voulez plus d'informations sur ce montage, vous pouvez aller sur ma page Instagram Kai Jordi. Mon compte est mis en description de la vidéo. Donc là, je vais enfin réussir à refaire des brochets et dans les futures vidéos, vous verrez que je ne louperai aucun brochet avec ce système. Poisson! Poisson direct! Poisson direct, Jordi! Poisson direct! Oh, j'ai senti la touche sur le fond. Oula, poisson direct! Oh là là! Oh, il est beau, il est beau, il est beau! Oh, il est beau! Oh, il est beau. C'est quoi? Ouais, c'est un brochet. Ah, puis le problème, c'est que le courant m'emmerde. Je peux pas ramener le poisson avec le courant. Ah purée, je suis pris avec le broc. Oh purée, c'est un gros. Oh putain, c'est un gros. C'est un gros. Oh, je le prends de... Oh purée, vite, je regagne vite le bord. Oh, c'est un big. C'est un big. Je viens de faire un big. J'ai ça, regardez ça. Magnifique. Non, bah, je suis bon pour acheter un spinner. Bon, la queue. Il fait... 77. Ça commence à faire vraiment du beau poisson, ça. Ça, faire des comme ça, c'est sympa, ça.